Okay, everybody freeze. You bastard! Nuageux avec quelques éclaircies. Très bonne journée pour les scorpions et... Là, ici, non. C'est pas un... Non, mais non, pas un cul de pétrole. Oui, c'est la Tour Eiffel, c'est Paris. Paris. Et là, ici... Et on demande 5200 $. Le service, très accueillant, chaleureux. Très bon. J'aime les frites, les pépites de poulet. J'aime beaucoup les côtes levées. C'est dans ce dépanneur derrière moi que s'est déroulée cette sinistre histoire de braquage qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses et même dramatiques, n'eût été du sang-froid du propriétaire, M. Ying. Les policiers sont actuellement sur les lieux, ainsi que les ambulanciers, comme vous venez de le constater. Une équipe technique effectue les premiers prélèvements d'indices sous la supervision du sergent-détective Vadeboncoeur de la police de la communauté urbaine de Montréal. Il semble que l'agresseur présumé ait maintenant recouvert toutes ses facultés. Car en effet, il y a de cela moins d'une demi-heure, M. Sam Ying a blessé un jeune homme qui tentait de faire main basse sur le contenu de la caisse. Alors que ce monsieur préparait son étalage, le voleur le somma de lui remettre argent liquide et cartouches de cigarettes, sous la menace d'un revolver de calibre 38, avons-nous appris. Il appert que c'est la troisième fois en moins d'un mois que M. Ying se défait d'un cambrioleur. Toujours avec la même arme, ce gros légume. Plus précisément un chou chinois, n'est-ce pas, M. Ying? Oui, pas ça. Nous devrions pouvoir divulguer l'identité du légume du jeune homme. De l'intérieur. Si jamais vous avez des questions, là, ben, n'hésitez pas, appelez-moi. Hein? La garantie prolongée, c'est pour les chiens, peut-être? Est-ce que je peux vous aider? Je regarde. J'ai pas le droit. Informations et justement, en parlant de Big Star, nous vous rappelons qu'il ne vous reste que 3 jours pour compléter votre cassette de présentation et aussi obtenir vos 100 signatures d'appui. Vous envoyez le tout à Concours Big Star, casier postal 3002, succursale C, Montréal, H3G 3C8. Alors voilà pour ces informations, nous serons de retour après la pause avec le... Hey, merci Rémi. Allez les filles! Ma première signature. Big King Kong! Roger, arrête de niaiser, là. Oh. C'est quoi, ça? Faut que tu signes ça. Louis va devenir une grande vedette. Wow! Big Star! Hein? Il y a erreur sa personne. Oh, Roger, Roger, niaise pas, donne-moi ça. Attends, j'ai pas signé. Je demande juste à ceux qui m'estiment. OK. T'as pas beaucoup de répondants? Bon, ben, ça va faire, Roger. Hey, c'est quand ta date limite? Oh, crime. Tu vas avoir besoin d'un miracle. Alléluia! Alléluia! Madame la directrice des programmes, laissez-moi vous présenter la future vedette du Canal 19. Bonjour, mon nom est Marie-Laurence Despins. Je suis très heureuse de participer au concours Big Star. Permettez-moi de vous faire découvrir mon univers. Imaginez qu'à partir de la semaine prochaine, et ce durant 3 mois, Marie-Laurence Despins va devenir la première personne au monde à être filmée 24 heures sur 24, jour et nuit. Elle est superbe. 22 ans, de bonne famille, étudiante en biologie à l'université McGill. Elle joue du piano, elle chante, elle danse. Et une diction et une dentition parfaites. Oui, je pense que nous nous sommes mal compris, Michel. Je n'ai peut-être pas été assez claire. Nous ne recherchons pas un modèle au sens exemplaire du terme, mais au sens représentatif. Quelqu'un à qui notre public peut s'identifier. Oui, mais Charlotte... Dites-moi, quel aurait été votre dernier choix? Louis Jobin! Louis Jobin! C'est votre vie qui sera diffusée en direct sur Cité Vision, Canal 19! Pauvre petit gars. Écoute, Louis, ça m'a jamais dérangé que tu t'amuses une fois de temps en temps à passer un quiz. Mais là, c'est gros. Tous mes amis vont te regarder. Fait que je voudrais pas qu'on pense que je t'ai mal élevé, tu comprends? Alors, je te demande juste une chose. Je t'en supplie pour l'amour du bon Dieu. Fais-moi pas honte. Puis ronge pas tes ongles. Je pense que je suis pas la personne qu'il vous faut. Oh. Pourquoi? Ben, il me semble que ça va être plate. Mais pas du tout! Au contraire, nous sommes en train de créer un véritable événement dans l'histoire de la télévision. C'est loin d'être banal. Oui, mais moi là-dedans... Toi, tu es le pionnier, Louis! Tu es le Christophe Colomb, le Neil Armstrong de la télévision! À partir de lundi, tu ne seras plus seulement Louis Jobin, le simple vendeur. Tu vas être aussi la première personne au monde, à vivre sa vie à l'écran. Aie confiance. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire comme d'habitude. Le reste, on s'en occupe. Pour toi, l'essentiel, c'est de rester naturel. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre auras-tu? Je me dis petits pots de beurre riserai quand tous les deux, quand tous les petits pots de beurre. C'est sérieux là, Louis. Recommence-moi ça, hein? Alors, bon. Non, maman, là, faut que j'y aille là. Mais comment tu restes pas souper? Ben non, j'avais prévu aller au cinéma. Ben une autre fois par exemple, hein? Ok. Mais voyons, maman, c'est parce que je veux juste me changer les idées, là. Non, vas-y. Je vais souper toute seule, j'ai l'habitude. Maman, voyons. Non. Vas-y. Ouais, mais dans le fond, le cinéma, je peux peut-être y aller une autre fois. Non, vas-y. Change pas tes plans pour moi. OK, ma. Non. Maman. OK, ma. OK, maman. Maman. Stand by, tout le monde. Dans 15, Je suis tellement contente de travailler là-dessus. Je comprends, c'est une première mondiale. Oui, yep. Il y a quelqu'un qui vérifie s'il respire encore, là? Dans 10, 9, 8, 7, 6, dans 5, Big Star, 4, c'est parti. 3, 2, attention la 1, prends la 1. Cité Vision est fière de vous présenter le gagnant du concours Big Star, Louis Jobin, que vous pourrez suivre tous les jours 24h/24 pendant les 3 prochains mois sur Cité Vision, Canal 19. Il a l'air tendu, hein? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Oh, t'es capable, t'es capable, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Oh. Venez vous asseoir, hein? Il y a une place de libre. Non, non, asseyez-vous. Non, non, je vous avais pas vu. Si je vous avais vu, je me serais jamais assis, hein? Non, lâchez-vous. Je vous jure que je ne vous avais point vu. Je ne l'avais réellement pas vu, hein? Je ne l'avais vraiment pas vu. une grosse journée de travail qui nous attend, mon Louis, hein? Ouais, chez Fortin Electronique, au 47 Ouest, Fleury. C'est ça. Ah ouais, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Moi, je suis bien occupé, là, mais je vous laisse dans les mains de mon meilleur vendeur, Louis Jobin. Faites-lui pas mal, là. Il fait-tu une démonstration, lui, là? Non. Non, c'est pour la télévision. C'est-tu vrai? Et quand c'est que ça passe? Ben, c'est en train de passer. C'est pas vrai, tu miaises, là. Ah, non. Nous sommes en direct, tu miaises. Mais... Hein? Ah, ben oui. Ah, ben... Non! Ah, c'est... C'est quelque chose, hein? Oui! Tu as vu ça? Avez-vous besoin de quelque chose de précis, madame? Mon Dieu, je veux une... ouais, une cassette ou un lecteur de... Oh, mon Dieu. De disque, compact disque, là. Ouais, bon, puis... portable. Ah, est-ce que ce serait un style possible, ça? Rien de plus naturel. Hein? On demande 12 000 ou ensoleillement avec de fréquents passages de... C'est plate, hein? Je vais appeler Rémi. Allô? Allô? C'est Rémi? Allô? C'est drôle, hein, parce que je venais justement de... Ben oui, je t'ai entendu. Ah, ben oui, c'est vrai. Et puis, toi, à part de ça... Oh, je m'amuse, je te trouve super drôle. Drôle? J'ai vraiment trouvé que tu t'exprimais très bien. Merci beaucoup. Au revoir, jeudi. Madame Jobin, oui, j'ai vu votre fils à la télé. Ah, vous êtes bien chanceuse parce que moi, j'ai pas eu le temps. Oh, Amine, il était nerveux, mais tellement sympathique. Ah, oui? Il s'exprime bien, en plus. Hein? Ben, je comprends qu'il s'exprime bien. C'est quand même mon fils, hein? Un fils d'ex-institutrice. Ah. Hey, vous auriez dû le voir dans l'autobus hier matin. Oh. Oh, moi, je l'ai pas vu. Mais j'en ai entendu parler, par exemple. D'ailleurs, il paraît que... Maudit, j'ai pas le code. Pour votre beau programme. Félicitations pour votre belle vie. Ah, merci beaucoup. Ben, voulez-vous traverser la rue? Oh, oui! Bon. Oh, qui est beau! Oh, encore plus beau en vrai. Hey, attends un peu, maman. C'est pas notre rue, ça? Oui, c'est notre rue, ça. C'est pas loin chez nous. Hey! Il est là! Hein? Mais Jean-Guy, t'es à TV! T'en venais pas capable de la TV. Ben oui. Félicitations, hein? J'avais un beau petit bébé. Oui, merci! Vous avez un beau bébé, madame. Hein? Je fais mon éditorial sur lui. Ah ben oui, c'est sûr. À mon avis, l'événement Jobin, là, entre guillemets, c'est l'aboutissement ultime du phénomène reality show. Ben moi, j'ai entendu dire là, que c'était uniquement une façon pour Cité Vision d'augmenter son contenu canadien. Peu importe, non, non. Pour moi, ça demeure une audacieuse entreprise de déconstruction, si tu veux, là, des codes télévisuels habituels. Ouais. Même quand quelque part, là, cette façon de traiter la banalité du quotidien, c'est du post-Andy Warhol. Ouais. Ouais, ça a quelque chose de... Ah, je vois ce que tu veux dire. Non, 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 comment je pourrais dire ça? Ah, vous êtes juste deux? Ben oui. Ah, je pensais que vous seriez plus nombreux. Mais ça fait rien, on va s'adapter. Eh bien, moi, pour ceux qui l'ignorent, je suis la maman de Louis. Alors, on va passer à la cuisine, ça fait plus intime. Ben, pour que je passe, là... Excusez. C'est vraiment la bonne franquette, hein? Asseyez-vous, faites comme chez vous. Alors, ce soir, nous allons manger des côtelettes de porc à l'orange. J'ai réuni tous les ingrédients. Là. Ici. Voilà. Alors, voici ma recette de côtelettes de porc à l'orange. Alors, prends d'abord des côtelettes de porc, bien sûr, environ une par personne. Oui, deux, si vous voulez, si vous avez bon appétit. Ensuite, des zestes d'orange, du jus d'orange et une orange découpée en cubes. Vous prenez donc la côtelette de porc et vous la déposez dans ce plat, allant au four et huilez au préalable. Vous prenez le zeste d'orange et vous parsemez les côtelettes de porc. Au goût, toujours. Ensuite, vous prenez le persil. C'est joli. Pour la décoration, ça fait de la couleur. Vous prenez des fines herbes, des herbes de Provence. Oui! Je suis sur une urgence, là. Je te rappelle dès que je peux. Et vous arrosez le tout de jus d'orange. Comme ceci. Voilà. Vous recouvrez d'un papier d'aluminium et vous faites cuire au four à 350 degrés pendant environ 40 minutes. Mais c'est pas vrai. Là, on mange pas avant 1 heure, là. Voyons donc. Regarde ça, c'est joli. Côtelette de porc à l'orange. Louis! La directrice des programmes vous attend. On est très fiers de vous, Louis. Eh. Toujours à l'écoute de ces téléspectateurs, Cité Vision interrompt momentanément la diffusion de l'émission Big Star afin de vous présenter 1 heure des meilleurs moments de la semaine de Louis XIX. Ça va très bien. Le public en redemande. Plus personne n'en doute. Louis, tu es l'homme de la situation. Oh, oh, c'est incroyable, hein? Ah non, c'était prévisible. Comment ça? Bah, c'est le syndrome de l'histoire vécue. Une histoire vraie suscite toujours plus d'intérêt qu'une histoire inventée. Tu imagines? Le petit gars qui part de rien puis qui devient une vedette instantanée. Oh, une vedette? Ah, quand c'est rendu que vu, t'inscris sur sa liste des gens les plus in. Oh, ben... Et les témoignages reçus au sujet de ta mère sont tout aussi dithyrambiques. On l'adore. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu la vois plus souvent. Ça dépend pour qui. Ouais, cette façon là, de fusionner le direct, là, je pense vraiment que la télévision renoue, tu sais, avec les belles années du cinéma vérité, les débuts de l'ONF. Oh. Cette façon de fusionner télévision vérité et patrimoine culinaire québécois, c'est... C'est brillant. Non, non, c'est pas brillant, c'est génial. C'est vraiment trop bon. Faudrait enquêter, savoir si c'est pas encore un concept piqué aux Américains. Ah, attention, les voilà! Les voilà! Madame, monsieur, bonjour. En direct de Montréal, cette sympathique ville peuplée d'irréductibles Québécois qui luttent encore et toujours contre l'envahisseur. Et bien donc de Montréal, ce carrefour stratégique où se côtoient les courants No, he's about to cross the street. We're with him, live from Montreal. Media from all over the world are here covering this important film. Louis Jobin, how does it feel to be watched by millions of people every minute of your life? It's good. It's much good. Yeah. Tell me, Louis. Is there a message that you would like to tell all these people now that you're living the fabulous American dream? It's fun. It's a big, big fun. Thank you, Louis. This is James Ray. Jobin. Je vous embrasse. Oh, merci. Madame Aline Jobin, mesdames, messieurs. Et c'est pour vous les fleurs, Madame Jobin. Oh, que c'est gentil. Asseyez-vous, Madame Jobin. Asseyez-vous. Merci. Ah, ce que vous êtes ravissante, Madame Jobin. Puis, soit dit en passant, votre recette de bœuf bourguignon fait le délice de mes invités à la maison chez nous. Ah oui? Bien, je vais vous donner un petit truc, M. Coallier, pour que vos invités soient encore plus ravis. Ah oui? Oui. Doubler la quantité de vin. Oh! C'est une bonne idée, ça! Ah oui, bravo! Bravo, madame, et félicitations encore une fois. Et je dois vous dire, vous avez une voix superbe. Oh. Ben, moi, je trouve pas. Ben, je veux dire, elle a une voix plutôt merveilleuse. Ah! Une voix merveilleuse! Bravo! Bravo, madame Jobin! Le bol. Je peux plus en entendre parler. Il est quasiment devenu un héros national. Bon, qu'est-ce que tu veux? En quelque part, c'était prévisible, hein? Petit peuple, petit héros. Ramarié, scotch, 2 coupes de champagne. Hey, hey! On est avec Louis. Oui, oui, OK. Merci quand même pour le pourboire. Ben oui, mais là, faut quand même pas abuser, là. Oh, relax, Louis. C'est de la publicité qui leur coûte pas cher. Bon, ben là, vous allez m'excuser, hein. Je suis fatigué puis je travaille de bonne heure demain matin. Mon œil, tu commences pas avant midi. On a vu ton boss aujourd'hui. D'ailleurs, en passant, il a l'air pas mal moins chiant que tu nous l'avais dit. Hey, non, j'ai jamais dit ça! J'ai jamais dit ça! Attends, là, on retourne danser. Oui, mais là, je suis fatigué, là. Je ris, là. Oui, t'es pas si fatigué que ça. Viens danser. Oui. T'es capable. T'es capable. Relax, le jeune, relax. Regarde la télé, là. On a tout notre temps. Ah, ben, enchanté. On t'a déjà dit que t'étais très photogénique. C'est de quoi je parle. Ah bon? T'es photographe? Non. Moi aussi, je suis très photogénique. En fait, j'ai étudié mannequin, mais ça n'a pas vraiment marché. J'imagine que j'ai pas couché avec les bonnes personnes. Est-ce que tu veux mon numéro de téléphone? Non, ça va aller. Louis, c'est le 534. 534. 3255. Oh non. Oh non. C'est pas vrai. Oh. Ça, c'est choc. Ah, ça, c'est très choquant, ça. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé, ça, hein, de me faire voler comme ça. Puis moi, là, c'était une tête d'hippopotame, tu t'imagines? Hey! Madame! En avez-vous besoin? Hein? Je peux vous le prêter. Ah, ben merci, merci. Laisse faire, je vais y aller. Ah, ben, Merci, monsieur. Louis, c'est pour toi, c'est un agent d'assurance. Ah, oui, oui, allô? Hey, ça n'a pas de bon sens. Vous passez mon vol des meilleurs moments de la semaine? Oh, absolument! Bon, je comprends ta réaction. Se faire voler, c'est ennuyeux. Seulement, si on parle en termes de télévision, donc de spectacle, c'est un excellent rebondissement. Et même une situation qui tourne à ton avantage. Regarde, toutes ces compagnies proposent de te commanditer. De commanditer? Sais-tu que la vente de millefeuilles a triplé depuis qu'on t'envoie manger à la télé? Ah non. Les dirigeants de ces compagnies, eux, le savent. Ils peuvent pas venir m'installer le câble avant mardi prochain. Ah ben, compte-toi chanceux, mon beau-frère, là, il a attendu jusqu'à 2 semaines. Oh, mais c'est rien, ça. Moi, je connais quelqu'un qui a attendu 3 semaines. Ah! C'est inhumain. Le corps, me semble, c'est un service essentiel. Ah. C'est... Venez nous voir, là. Merci. Bye, Shai. À demain. Hey, il y a quelqu'un qui a oublié son sac. Hein? L'argent? Je veux dire, la personne qui l'a perdu va être contente de le retrouver s'il y a de l'argent. Tu sais? C'est fermé! Oh! Excusez. Bonsoir. Bonsoir. C'est mon sac. Ah, ben, j'ai rien touché, hein. J'allais ouvert seulement pour voir à qui c'était. Je veux dire, c'était à qui. Et puis? Et puis quoi? C'est bien le mien. Oh. Ça aurait été gênant qu'il vous le vole, hein? Je sais bien qu'il est bon et honnête. Ah, et comment tu... Comment tu pouvais savoir ça? Ben, je l'ai vu à la télé. Ah, ah mais vous savez, hein, il paraît qu'il faut pas toujours croire ce qu'on voit à la télé. Et t'as vu ça où? À la télé. Ouais. Ah, ah, ouais, ça c'est niaiseux, ça. C'est pas si mal. D'habitude, je touche même pas une boule. Je déchire le tapis. Venez, ça va vous intéresser. Oui. Là, il est rendu au billard avec la fille qui avait oublié son sac à main. Ah oui. Il s'améliore, hein. La partie est serrée. Ah ouais, mais là, je t'ai donné une chance quand même. Qu'est-ce que je fais maintenant? Attends. La 14 au coin. Facile. Ouais. Et maintenant? La 11 au coin. La 11 au coin? La 13. La 9 par la bande. Dans le suivi, ça va bien. Mon intimité, c'est réussi, hein. On paraît que t'es doué, si tu veux. Oui, tu m'amuses. Ça me rappelle mes cours de théâtre. Oui! Oui! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Quand même pas me prendre pour un imbécile, hein? C'est pas la première fois qu'on me fait le coup, là. Fait que, ah ouais, vas-y, t'as 30 secondes, fais ta petite annonce, puis après ça, là, tu disparais. OK. Je m'appelle Julie Leduc, j'ai étudié en théâtre et je travaille présentement comme serveuse dans un café. J'aime la vie, les pizzas, la campagne. Et pour être franc, je déteste le billard. Par contre, j'ai passé une très bonne soirée. J'aimerais bien te revoir. Ça te tente? Taxi! Tiens. Grognon. Elle va l'avoir. Je te dis, elle va l'avoir. La maudite vache. Oui, revenez demain. Demain. Non, maman, je peux pas souper ce soir. Ben non, je suis pris. En fin de semaine? Ben, peut-être, là. Non. Non, je peux rien te promettre. Écoute, maman, je vais te rappeler, OK? OK? Bye. Merci. T'es bien pressé, mon Louis! Ah ouais. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans en France. Et après, je suis partie avec mon père quand mes parents y vont. Puis, qu'est-ce qui se passe? On commence à être là, on serait temps qu'il se passe quelque chose. Ah oui, mais j'y pense. On n'a jamais vu ton père. Non. Il est parti quand j'avais 10 ans. Mais ta mère, elle n'a jamais pensé à se remarier? Ma mère, son mari. Non, elle n'a pas eu vraiment le temps. Ce premier souper en tête-à-tête entre Louis et Julie vous est présenté par les supermarchés Aligro, qui vous offre cette semaine les fraises à 99 cents. Mais la télé, c'est fou, non? Comment t'as fait pour en arriver jusque-là? Oh, ben, j'ai pas trop réfléchi. En fait, j'avais le goût d'essayer ça, moi, être connu. Ben, il faut dire que moi, la télévision, j'ai toujours aimé ça. Ah oui. Ou sinon, je me rappelle, j'ai toujours écouté la télévision. Je me rappelle quand j'étais petit, là, je passais tous mes temps libres devant la télé. Même que ça, ma mère, elle n'aimait pas ça. Ouais. Mais moi, mes meilleurs amis, c'était Piccolo, ça, les Goblet, Fanfreluche, Paillasson. C'est qui? Tu connais pas Paillasson? Ah ben non, c'est normal, elle peut pas connaître Paillasson. Ben, c'est dans l'air, parce qu'il était vraiment drôle. Paillasson, là, c'était une espèce de clown, mais en forme de montgolfière. Il mangeait des patates en chocolat. Des patates en chocolat? Ben, c'était pas des patates, là. C'était du chocolat en forme de patate, avec un bâton dedans. C'est pas clair, hein? Non. En tout cas, moi, des patates en chocolat, j'en ai cherché, hein. Ah, partout où j'allais, à l'épicerie ou des dépanneur, personne n'avait jamais entendu parler de ça, des patates en chocolat. Ouais. Ah, mais attends, peut-être que tu connais Supercar. Non? La fusée XL5. Non, je voudrais avoir une fusée pour voler dans l'espace. Non, je suis désolée. Ah, mais il devrait sûrement avoir quelque chose que tu connais. Voyons, voyage au fond des mers. Non. Perdu dans l'espace. Non. Les cadets de la forêt. Ben non. Ah ben non, pas les cadets de la forêt. Ah, Wilby, Marcus Wilby, le docteur Wilby. Tu connais pas Hulk? Ah, Steve Banner? Ouais. Ouais, Steve Banner. Oh, je vous avertis, Ne me mettez pas en colère. Alors, attention. Maintenant, crissez une dans le front. En fait, t'aurais dû être comédien. Oh non, non, non. Hey. Je suis même trop timide. C'est toi la comédienne? Ouais. Ouais, faut le dire vite. En fait, j'ai fait que des rôles secondaires. Ah ouais? Ouais. Comme quoi? Comme les servantes dans Molière, la figurante derrière la grande vedette. Ah, hein? C'est pardon? Mmh. J'ai fait de la pub aussi. Et beaucoup d'animation. D'animation? Comme la Fée des Étoiles. Non. Oui. T'as pas fait la Fée des Étoiles? Ouais. Ah! Moi aussi, j'ai fait la Fée des Étoiles. C'était pour un ami. C'était pour Rémi. Arrêtez de niaiser. Embrassez-vous. Non, non, mais je vais faire. Non, voyons, je vais t'aider. Non, on va pas faire la vaisselle à la télévision. Ben, pourquoi pas? Ça risque d'être un peu ennuyant pour les gens qui t'écoutent. Ben, tant pis. C'est ça, la vie. Je te la laisse, ça va être tard pour toi. Non, vas-y, là, je vais le faire. Julie. Attends. Pas. Quoi? Ben, tout ce qui m'arrive, là, tu sais, ça se peut pas. C'est comme si j'avais la fièvre. C'est drôle parce que pour le concours, ils nous demandaient c'était quoi pour nous le bonheur parfait. Ben, pour moi, là, ben, c'était ça. Ça quoi? Ben, tout ça, là, la plage, le coucher de soleil, la décapotable, sa nature. Puis toi. C'est débile, hein? Non, je trouve pas. Ça te tenterait pas d'aller faire un tour? Depuis une semaine, mon téléviseur est fermé. Moi, les histoires d'amour, là, ça me monte au nez. Ah ben, t'as tout à fait raison. Mm. Mm. Quand je pense qu'il y a encore du monde qui écoute le 19, écoute, c'est une aberration. Puis cette petite bourgeoise française qui se prend pour Lady Di et qu'elle nous raconte sa vie par-dessus le marché. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa vie, hein? Ah, t'as raison. Oh, puis le souper... chez elle, mortel. Ah, c'était pas chez elle, c'était au café où elle travaille. Après leur visite à l'hôpital. Ben non, c'était chez elle. La semaine dernière, avant qu'on leur offre une voiture. Ben non, tu te trompes. C'était vraiment sur la terrasse. Elle portait sa jupe rouge puis son pull en cachemire. Ben non, je t'assure, c'était chez elle. Écoute, j'ai la cassette, je l'ai enregistrée, si tu veux. Bon, ça va. De toute façon, je m'en fous. Je l'écoute même pas. Oh, ben j'espère. Alors, la question du jour, devrions-nous tous fermer nos téléviseurs le même jour, même heure, afin de laisser à Louis et Julie l'occasion de consommer leur amour dans l'intimité? Alors, nous allons prendre un premier appel à Sorel. Nous avons un monsieur Simard. Y a-t-il d'autres noms en passant à Sorel? Monsieur Simard, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Proulx. Moi, je paye pour le câble, ça fait que je veux tout voir. C'est mon droit. Ah, il n'y a pas de doute. Les droits, c'est très important. Nous allons passer maintenant, juste à côté. Tous les clients du café me poursuivent avec ça. C'est l'enfer. J'aurais jamais cru que ça prendrait des proportions pareilles. Moi non plus, me faire embrasser devant toute la population, je suis pas capable. Oui? Non, merci. On va y aller, nous autres, hein? Vous allez quand même rester à souper? Ben non, je suis trop fatiguée, puis je gâcherai la soirée, hein? Tu n'as pas ce que tu peux me voir? On va y aller, Julie, là. Oh, oui, je t'ai cuisiné ton petit plat préféré, tu sais, du beau roast beef avec des petits oignons et des petites carottes tranchées. Ben, on se reprendra une autre fois, hein? Oui, on prend un pique-nique, hein? Ben oui. Vous aimez bien les petites cochonneries mexicaines? Et les tacos? Ah oui, mais ça, c'est une bonne idée, ça. Hein? C'est bien, maintenant que tu as une blonde et que tu peux manger au restaurant gratis, t'as plus besoin de moi. Ben, ça n'a rien à voir, hein? T'as changé, Louis. T'as changé, mon petit garçon. Le succès t'a monté à la tête, j'en ai bien peur. Hey, c'est pas vrai, ça, là. Quand je pense que c'est grâce à moi que... Je ne m'entends pas parler. C'est comme ça que tu me remercies? Renis ta propre mère, tant qu'à y être. Hey, là, ça va faire. Je suis fatiguée. J'ai pas le droit. Hein? J'ai pas le droit comme tout le monde. Va-t'en! Va-t'en si tu veux plus me voir, va-t'en! Fais comme ton père. Cette altercation entre Louis et sa mère vous est présentée par Chibon, qui vous dit « Avec Chibon, ça va de soi ». C'est vrai, ça, hein? Il y a des limites à toujours payer. Monsieur Jobin! C'est honteux! Vous méritez juste de... Tiens! T'es fier de toi? T'as fait pleurer ta mère, puis t'es fier de toi. Ça encore! Pourri! Salaud! Égoïste! Félicitations! Belle façon de vider le magasin. Big Star. On me traite comme si j'étais un criminel. Les gens désapprouvent ton comportement avec ta mère. Oh, ma mère, oui. Elle a passé toute sa vie à me blâmer parce que j'avais pas de caractère. Puis maintenant que j'en ai, mais c'est la même chose. C'est pas correct. De toute façon, avec elle, hein, c'est jamais correct. Ça s'arrangera. La première chose à faire, c'est de regagner l'estime de ton public. Le public. Pas un grand monde qui m'écoute maintenant, hein? Au contraire, les gens t'écoutent plus que jamais. C'est un principe connu. À la télévision, le malheur est beaucoup plus intéressant que le bonheur. Ouais. Mais vous dire, moi, je commence à étonner que tout le monde se mêle de ma vie privée. Moi, tout ce que je veux, là, c'est passer un peu de temps tout seul avec Julie. C'est tout. Normal. Mais Louis, écoute bien. Qu'est-ce qui t'a permis ce bonheur? Qu'est-ce qui t'a donné ce, ce nouveau courage, ce caractère, comme tu dis? L'amour du public. Il faut donc le reconquérir. Bonsoir, bienvenue au Festin des Loups directement du Luxe à Montréal. Louis Jobin en personne est parmi nous. La question que tout le monde se pose, Louis XIX, roi couronné ou roi déchu? Voilà. Eh bien Michel, prête pour le festin? Alors, par conscience professionnelle, je me suis tapé cette semaine une journée complète de reality show au Canal 19. Épreuve pénible s'il en est, merci, à côté de laquelle regarder un rhododendron poussé dans son pot m'aurait paru une alternative beaucoup plus excitante. Avouez que c'est un comble. Tout à fait. Moi, je vous trouve très indulgente, Michel. Une véritable pollution des ondes. Qu'attend Greenpeace pour nous en débarrasser? Cette espèce de mélodrame est un miroir qui nous renvoie une image navrante de la pauvreté culturelle de ce pays. Louis Jobin, c'est carrément nul. Tout à fait. C'est une histoire ennuyeuse, les situations sont banales, c'est mal filmé, et que dire du héros? Alors là, Louis Jobin, de toute évidence, n'a pas le talent qui convient. Et ça baigne dans les clichés. La blonde française, les chums, la chicane de famille, Burk. Eh bien, Monsieur Jobin, comment vous réagissez à ces critiques? C'est vrai. Enfin, vous devez sûrement, du moins en partie, être en désaccord avec... Non, non, non. Je suis d'accord. Vous avez raison. Je mène une vie ordinaire, c'est vrai. C'est peut-être moins intéressant qu'un film, mais Julie, ma mère, mon travail, mes amis, c'est tout ce que j'ai. C'est ça, ma vie. Nous allons revenir après la pause. Prends-le pas personnel, c'est juste des critiques. Ouais. J'ai peur qu'elle me trouve nulle, elle aussi. J'ai peur de la perdre, Rémi. T'arrives. On marche un peu? Ouais. En tout cas, pourquoi être fier d'être avec un gars comme moi? Hein? Oh, mon pognon. Ce que les gens pensent, je m'en fous. Pourquoi c'est toujours aussi compliqué, Julie? Laisse pas les autres décider à ta place. Ouais. T'as raison. Tu sais, je suis vraiment content que tu sois là. Louis, je savais pas que ça avait de pattes de même. Moi non plus. Où est-ce que vous allez comme ça? Louis? Oh. Oh. Mon bébé! Oh, mon petit gars! Oh, je suis totalement inquiète. T'es pas blessée? Ben non, voyons. Oh, oh mon petit gars. Maman... Oui? Je regrette. Oh non! Ah! Ça! J'ai pas été fait. Mais non, oublie ça. C'est tout oublié, voyons. Ça va très bien. Du courage, de l'héroïsme. Tous nos téléspectateurs sont comblés. Oui, mais pour l'attaque, vous auriez pu me prévenir. Il fallait que ta réaction soit spontanée. Ça va trop loin. Louis aurait pu être blessé. Écoute, il était nécessaire d'aider Louis à retrouver sa popularité. L'occasion était belle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu fais comme prévu. Tu restes avec lui jusqu'à la semaine des sondages et ensuite tu le quittes. Non. Non, je peux pas. C'est trop cruel. Julie, calme-toi et laisse le temps arranger les choses. De toute façon, il va finir par s'en rendre compte. Alors? Julie? Non. Je vais tout lui dire. Tout. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que je te parle. Non, mais je peux pas, là. Je suis occupée. Ça va prendre 2 minutes. Tiens. De la part de notre chère directrice des programmes. C'est quoi ça? Je vois rien. Merde. Ton premier grand rôle? Je savais. Je savais. Je peux t'expliquer ça. Ah oui. Notre rencontre, la plage, tes sourires. Hey, vas-tu finir par nous ficher la paix une fois pour toutes? Le sauver. Puis il faisait tellement un beau couple. Non, maman, je sais pas ce qui va arriver. Non, il y a personne ici qui sait ce qui va arriver. Charlotte. Nos commanditaires investissent pour que leurs produits soient vus par le plus grand nombre de téléspectateurs possible. Comment peut-on espérer que le public nous reste fidèle si le héros disparaît au beau milieu de l'histoire? Michel, qu'est-ce qui intéresse le public? De l'action, du suspense, des rebondissements, des drames d'amour déchirants. N'est-ce pas exactement ce que nous sommes en train de leur offrir? Tout le monde ici sait que le concept est plus fort que l'individu. Peu importe qui est devant la caméra, le monde reste fasciné. Alors pourquoi ne pas se débarrasser de Louis Jobin? Michel Gobeil, les choses sont encore plus simples. Beaucoup de gens veulent Louis Jobin. Les commanditaires veulent beaucoup de gens et nous voulons des commanditaires. Retrouvez-le. Cité Vision interrompt momentanément cette émission pour vous présenter un bulletin spécial. Toujours au service de ses téléspectateurs, Cité Vision vous invite à participer à son nouveau concours, la chasse à l'image Big Star. Il s'agit, mesdames et messieurs, de nous rapporter des images de notre célèbre fugueur, Louis Jobin. Ce concours est ouvert à tous les vidéastes amateurs de toute la région métropolitaine et, comme vous le savez, Louis Jobin est disparu aujourd'hui après avoir frappé son caméraman pour s'enfuir sans laisser de traces. Nous ne détenons aucune information concernant le lieu où se trouve le célèbre héros. Chercher, mais ils me suivent partout. Hey, c'est tellement spécial, un vrai film d'espion. Louis, ça te tente pas de le finir ton contrat? Il te reste seulement 1 mois et demi. Louis, ça dépend moi, Louis. Louis. Avance. Salut, moi c'est Guylaine. Ça c'est ma coloc Josée. Allons. Elle collectionne les couettes de cheveux des vedettes. Elle est rendue à 54. Bienvenue, Louis. Fais comme chez toi. Excuse-nous pour le coup, hein. Mais c'était plus vite comme ça. Comment tu te sens? Comme un bibelot. Oh. Hey! On t'a sauvé. On t'a pas kidnappé, Chris. Bon, c'est Louis que vous cherchez? Il est dans ma sacoche. Allez-vous-en, laissez-nous tranquille, là. Ouais? Tiens. Ça te fait pas peur? Allez-vous-en. Ben, allez-vous-en. te faire. Mais y aller. Ça. Oui. Bonne nouvelle. Il y a une justesse après tout. Julie vit un cauchemar permanent. Comment pouvez-vous continuer à vivre comme si rien s'était passé? Pas de cœur, pas de pourboire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Oh, je suis sûre que tu vas trouver. Ben, vous autres, les vedettes, vous trouvez toujours l'idée géniale juste à la dernière minute. La dernière minute? Je le sais. Quitte la ville. Oui. Tu pourras aller refaire ta vie en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Hey, chez moi, c'est ici. Hey, calice de face de bœuf, on essaye de t'aider. Hey, mais qu'est-ce que vous faites? Louis? C'est quoi ce ramassis, là? Hé, hey, de quoi elle se mêle, elle? Guylaine, José, deux amis. C'est les gardes du corps. Qu'elle m'achève. De toute façon, je mérite pas mieux. Je te jure, c'est pas pour le fric. T'aurais dû arrêter, Julie. Je sais, mais quand j'ai vu que c'était sérieux, j'ai pas osé. J'ai pas eu ton courage. Courageux? Imbécile, ouais. Dis pas ça, Louis. T'es beaucoup plus fort que tu crois. Tu parles. Plein de monde qui t'aime, qui t'applaudit, qui tout d'un coup te trouve extraordinaire. Ça aide, ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Pauvre gars, là. Le con qui passe à la télé. Puis toi qui m'aimais juste parce que... Je regrette tellement, tu peux pas savoir. Oh, c'est trop stupide. Je voulais tellement me faire connaître. Je voulais tellement, pour toutes les mauvaises raisons, qu'on me reconnaisse comme une bonne actrice. Bonne actrice? T'es une bonne actrice. Faut pas croire que j'ai fait ça tout le temps. C'est vrai, au début, c'était pour un travail, mais... J'ai pas eu besoin de me forcer. C'est tellement facile de rire avec toi. D'être bien avec toi. Pendant que la chasse à l'image Big Star se poursuit, Cité Vision vous présente un montage des meilleurs moments de notre célèbre vedette. Je comprends pas pourquoi les gens réagissent pas. Ils démolissent pas leur télé. On devrait se rendre compte que tout est faux. Faux? Tout sauf toi, Louis. C'est ça, l'idée. Même moi. Les meubles, les vêtements. Y a rien qui me ressemble là-dedans. Ah! Crise de canette de merde! Merde! On bouge plus! Personne n'a envie que l'histoire de Louis Jobin se termine devant les tribunaux. Le public préfère les fins heureuses. Alors, prêt pour un nouveau départ? Est-ce que j'ai vraiment le choix? On a toujours le choix. Attendez-vous à des retrouvailles mémorables. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, sinon... sinon qu'il y a de l'amour dans l'air. Paraît qu'ils vont se marier. Je le savais. Mais oui, ma belle-sœur connaît un gars qui connaît la blonde du frère de Julie. Même qu'il paraîtrait qu'elle aurait tenté de se suicider pour prouver à Louis qu'elle l'aimait. Oh, c'est tellement romantique. Même qu'il paraîtrait que Julie, c'est pas son vrai nom, hein? Mmh. Non, 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 elle s'appellerait Monique. Hey, ça recommence demain, j'ai assez hâte. Parlez-moi-en pas. À ce temps que j'ai le câble, c'est la TV qui pète. Oh, tiens. Je suis assez contente d'être là pour son retour. 4, 3, attention, 2, la 1. Cité Vision est fière de vous présenter le retour de Louis XIX. Le retour de Louis XIX vous est présenté grâce à la collaboration des supermarchés Aligro. C'est parti d'un risque du direct. Impossible de tout prévoir. Excusez-moi. Oui. UHF, VHF. Oui. C'est quoi exactement ça? C'est quoi la différence? Ça serait un petit peu long à expliquer dans l'ordre. Oups, excusez. Fortin Electronique. Louis, qu'est-ce que tu fais là? On t'attend. Malade. Bon, Louis Jobin, ça pas le con. Écoute-moi, là. Le magasin est bondé, je suis débordé, ça fait que tu débarques ici au plus vite, OK? Louis, ma patience a des limites. Ouais? Ouais. Ouais, ben la mienne aussi. Tu m'as fait assez chier. Je démissionne. Tu démissionnes. Non. Je te démissionne. Je te démissionne. VHS, hein? Hey, boss. L'imbécile. Oui. Monsieur Garot de Garot Automobile sur la 2 et la 3. Non, mais là, là, il faut faire quelque chose. Goblet, le 19, c'est l'aboutissement de ma vision. J'irai jusqu'au bout. Ferme la télévision. Va coucher les enfants. Je m'en fous des tabous, mon vignal. Que je te taboute. Oh oui, taboute-moi. Oh non, il niaise, il rit de moi. Mario! Calme-toi. Confiture aux framboises. D'Aligro. Sirop d'érable. D'Aligro. Des petits gâteaux Chibon. Il a si merveilleux crémage. Exactement la personne qu'il nous faut. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est ça, l'amour. Régie. Oui. C'est bon. Ouais! Oh. Vous attendez au salon. Enfin, toi, là, hein? Je t'avais dit, fais-moi pas honte. Maman! Non, envoie d'autres. Allez, sois pas triste. Louis, tu les as eus d'un bout à l'autre. Génial! On porte un toast. C'est la fin. Prenez pas ça comme ça, là. Hey, Louis et Julie, ils s'aiment ou ils s'aiment pas? Ben... Qu'est-ce qu'ils font, sa moto? Quoi? Ah ben, c'est mon bike! Oh. La moto! Oh, la légende de Jimmy. Oh.